Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va déguster aujourd'hui un petit Burger King parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc on est parti sur un petit Egg Burger des familles parce qu'à chaque fois je vois la pub à la télé et ça me donne extrêmement envie. On est parti sur des petits onion rings parce que moi quand je vais chez BK, je prends des onion rings et pas des frites parce que des frites on en mange partout avec le petit coca qui va bien. On va goûter ça, du coup je connais pas du tout le Egg Burger. C'est en même temps il est nouveau chez BK. J'ai goûté récemment le rosti raclette de chez KFC. Alors le truc est tout petit. Je sais que j'avais vu la vidéo de P1 et c'est vrai qu'il était tout petit. Et en effet il est tout petit. J'ai pas vraiment kiffé parce qu'il est tout gras en fait. Donc c'est un truc concentré comme ça fait un truc épais comme ça. Quand on le mange on a une sensation de gras et de sel qui nous attaque direct. Parce qu'entre le fromage à raclette, les lardons, la viande, le rosti, c'est juste abusé. Donc là on est parti donc sur un petit egg burger, on va regarder ça. Donc ouais il est pas mal hein, franchement il a de la gueule. Alors est-ce qu'il y a l'œuf comme... Ah ouais il y a l'œuf et tout hein. J'avais peur, je me suis dit comme dans la pub ils mettent l'œuf, le bel œuf et tout ça. Mais si regardez il y a le bel œuf là. Donc on va voir ça, dedans c'est de la sauce barbecue avec des oignons et tout, donc ça devrait pas être mal. Et puis les petits onion rings qui vont bien. Hop, les onion rings, on va les foutre là, comme ça on est tranquille. Les onion rings c'est la vie, franchement je sais pas si vous, quand vous allez à BK vous prenez des onion rings, si c'est pas le cas allez-y parce que franchement c'est juste trop trop bon quoi. Bon allez on va goûter ça du coup. D'habitude c'est vrai quand quand je mange du McDo ou autre, je mange toujours les frites en premier et après je mange le burger, mais quand c'est des onion rings par contre j'aime bien manger les deux en même temps. Bah ça passe bien. J'avoue l'œuf il est bon dedans, ça rajoute un bon petit supplément. Il n'y a peut-être pas assez de sauce. Mais non ça passe bien avec les petits oignons. Que c'est d'habitude chez Burger King, bah j'aime bien manger le Whopper. Il y a le Big King qui est bon. Il y en a plusieurs comme ça qui sont vraiment pas mal. Il y a aussi le double steakhouse et tout ça. Enfin, ils ont pas mal de bons sandwichs. Et c'est vrai que généralement, bon, c'est gras, BK, mais en règle générale, on est bien calé parce qu'en termes de taille, on dépasse largement McDo. Hein. Vous me direz dans les commentaires si vous avez un autre truc que je voulais que je mange, je sais pas, kebab, chinois, japonais. Dites-le moi, parce que c'est vrai que la BK, il y en a plein 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 qui m'ont demandé, donc du coup Burger King, donc en plus ça tombe bien, j'avais envie de manger Burger King depuis un moment. Non, ça passe bien avec l'œuf. Avec l'œuf, ça rend vraiment bien. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de sauce dedans, parce que comme j'ai de la sauce barbecue, j'ai pris une petite sauce barbecue de chez McDo avec, là. Je vais en mettre un petit peu dedans, comme ça va rajouter en fait le petit manque de sauce barbecue qu'il pourrait avoir. Pareil, j'ai vu qu'il y avait déjà des commentaires. Il y avait eu des commentaires sur la vidéo pour la FAQ des 3000 abonnés, qu'il y a des gens qui demandaient quand est-ce qu'il y aura une prochaine FAQ. Donc je pense que je ferai une prochaine FAQ, je pense pour les 5000. Donc dans 2000 abonnés, enfin un petit peu moins maintenant. Mais je pense pour les 5000, on pourra se refaire une petite FAQ, vu que ça a l'air de bien plaire. Ça m'a pris un petit peu de temps à la monter, mais j'avoue que c'était quand même sympa. Et puis voilà, bah, vous, ça vous permet de me connaître un petit peu mieux, ça permet de papoter un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense aux 5000, donc si vous voulez une prochaine FAQ, allez-y les potes là. Là, je viens de taper dans la partie œuf et là, c'est trop bon. Ah, il en faut partout maintenant, du coup. Après, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un de ces quatre aussi d'aller au Quick. Moi, je sais que j'adore l'un de mes sandwichs préférés dans les fast-food comme ça, c'est le Giant. Et le problème, c'est que bah, des Quick, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Je sais que j'en ai un petit peu plus haut, mais j'ai quoi, un petit 25 minutes pour y aller quand même. Le Giant, ça fait plaisir. Au pire, Subway aussi. Moi, Subway, c'est un de mes préférés aussi. Je pourrais vous faire une petite déguste Subway à l'occasion. Parce que j'adore, je fais un petit steak and cheese, supplément fromage, je mets une petite sauce oignon doux et tout, ça passe crème quoi. La partie off, elle déchire. Franchement, si vous n'avez jamais goûté le Egg Burger, prenez-le parce qu'il passe vraiment très très bien. En plus, là, il existe en version simple, double et triple steak. Du coup, pour les gros mangeurs, ça passe bien. Là, dans le coup, là, en ce moment, on est en train de chercher, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé aussi où ça en était là, du coup, pour Mélézard, on est en train de regarder. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut dans le terrarium pour pouvoir le faire. On va le mettre en place dans pas longtemps. Et après, maintenant, on est à l'affût d'une bonne affaire, une bonne offre d'un éleveur qui vend des bébés ou des subadultes. Après, de préférence, des subadultes quand même plutôt que des bébés, parce que le problème, c'est que les bébés reptiles, c'est fragile. Moi, j'avais eu un bébé caméléon et il est mort très jeune. Voilà, il avait attrapé une petite saloperie. Et quand c'est jeune, voilà, déjà que c'est des animaux, faut vraiment faire attention, hein, c'est pas un chien. Du coup, quand ils sont petits, bah, c'est encore plus difficile. Donc, j'essaye de trouver quand même du subadulte. Donc, en ce moment, on est à l'affût. On est à l'affût de trouver
un lézard qui est bien. Enfin, oh, je vais prendre deux femelles, donc il nous en faut deux. Ouais, avec le supplément de sauce barbecue que j'ai mis, il passe encore meilleur. De base, il passe bien, mais c'est vrai qu'il manquait un petit peu de sauce. Pareil, les potes, n'hésitez pas non plus à me rajouter, donc comme je disais, sur Snap, ou à venir sur Discord, parce que, justement, voilà, ces derniers jours, je sais qu'avec les fêtes, j'ai eu des lives que j'ai pas pu faire, que j'ai décalé ou quoi. Et le fait d'être sur Discord, ou d'être sur Snap, mais surtout sur Discord, bah, c'est que du coup, moi, je vous annonce comme quoi, voilà, je décale tel live, ou que je l'annule, ou que je mets ça à la place. Et c'est vrai que les gens qui sont pas sur Discord, bah, du coup, ils sont pas au courant de tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, hein, parce que je vous ai dit, comme ça, vous êtes au courant des nouvelles choses. Et en plus de ça, les gens qui sont là pour du Pokémon, ils peuvent se faire des échanges, des machins. Les autres qui sont là pour autre chose, ils peuvent parler avec moi, les modos. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Le petit dernier Onion Ring. Les Onion Rings, ça se mange encore plus facilement que les frites, moi je trouve. Bon, dernière petite bouchée là. Il est passé trop tout seul en fait le burger. J'avais faim, mais pas non plus un truc de fou. Et il est passé crème. Hop, on va rincer tout ça avec un petit coca, puis ça va le faire. Le coca, comme ça, que ce soit du McDo ou autre, moi c'est ce que je préfère en fait, parce qu'il est plus. Comme il y a des glaçons, ça fait c'est un peu coupé à l'eau. Le truc, il est ultra glacé et je kiffe ma race, parce qu'à chaque fois, ça me défonce le crâne. Donc voilà les potes, bah dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez un autre type de dégustation que vous avez envie de voir. Comme je vous dis, ça peut être kebab, Subway, Quick, KFC, ce que vous voulez, dites-moi. Moi, ça sera l'occasion de faire un petit repas, discuter un petit peu avec vous, des choses qui se passent sur la chaîne, des choses qui se passent pas, tout ça. Lâchez un petit pouce du coup si ça vous plaît. Et puis nous, on va très vite se retrouver, que ce soit sur de la dégustation, des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde!